Richard Bonnat. Qui est ce phénomène artistique? Musicien de renommée internationale aux talents variés, originaire du Cameroun, Richard Bonnat est réputé pour sa maîtrise musicale polyvalente, fusionnant avec habileté des influences jazz, africaines et mondiales. En plus de sa virtuosité à la basse, il se distingue également en tant que chanteur, compositeur, et bien d'autres. Au Cameroun, son pays natal, Richard Bonnat découvre le balafon à l'âge de 3 ans, à Minta, une petite commune située dans la région du centre. Encouragé par son grand-père, chanteur et percussionniste, ainsi que par sa mère, également chanteuse, son talent exceptionnel est rapidement remarqué. Dès l'âge de 5 ans, il se distingue en se produisant avec succès dans l'église de sa localité, participant activement à diverses festivités et cérémonies. À 7 ans seulement, le talentueux Richard conçoit sa toute première guitare à partir de matériaux improvisés et s'installe plus tard à Douala, la capitale économique du Cameroun. Là, il s'entraîne passionnément sur des instruments improvisés et collabore avec plusieurs personnes, notamment Messi Martin, un maître du bikutsi moderne. C'est après avoir participé à des sessions et obtenu ses premiers contrats qu'il acquiert sa première vraie guitare. En 1980, Richard, n'ayant que peu de connaissances du jazz, se voit proposer de former un orchestre dans un club de jazz à Douala. Cette opportunité lui a permis d'explorer profondément le monde du jazz et de se tourner vers la basse après avoir écouté le bassiste Jaco Pastorius. À l'âge de 22 ans, Fantoma, comme l'appelaient certains proches, quitte l'Afrique pour l'Europe. Il fréquente brièvement le conservatoire de Düsseldorf avant de s'installer à Paris. Il explore activement la scène jazz, rejoint le quintet d'Éric Lelanne et multiplie les collaborations avec des musiciens renommés, dont Didier Lockwood, Manu Dibango, entre autres. En 1995, Richard est finaliste du concours découverte de Radio France Internationale avec « Yala ». Sa victoire au Haute Brasse à Paris marque la conclusion de son parcours en France cette année-là, avant de s'envoler pour les États-Unis. Une fois arrivé à New York, le talentueux bassiste multiplie les contrats dans les clubs de jazz. Jake Holmes, auteur pour Harry Belafonte, le repère et le nomme directeur musical. Sa diversité musicale, allant du jazz à la salsa et même à la country, facilite ses collaborations avec des célébrités. Son parcours remarquable, qui a débuté au Cameroun puis s'est poursuivi en France, prend une nouvelle dimension aux États-Unis. Repéré par le saxophoniste Branford Marsali, Richard rejoint le label Columbia Jazz et publie son premier album, Sin of My Life, en 1999. Ce musicien exceptionnel, naviguant entre jazz, pop et musique africaine, se révèle être un habile mélodiste et conteur. Son deuxième album, Révérence, réalisé avec la participation de Pat Metheny et Michael Brecker, plonge dans ses racines, s'inspirant des musiques traditionnelles et abordant des thèmes tels que la déforestation, les mariages forcés en Afrique et son enfance au Cameroun. En novembre 2001, lors de ses concerts, il dédie une chanson à sa mère disparue. En novembre 2003, Richard Bonnat se produit à la Cigale à Paris et contribue à l'album « Toto, Bono, Lokua » qui sort en avril 2004. Plus tard cette même année, il surprend ses fans avec la sortie de « Munia, The Tale », son troisième album, dans lequel il exprime son engagement pour la justice sociale. Il collabore également avec Salif Keita sur « Kalabankoro » et « Painting a Wish ». En novembre 2005, Richard publie son quatrième album, Tiki, suivi de The Ten Shades of Blues en 2009, puis de l'album acoustique Bonafier deux ans plus tard. Pendant cette période, il effectue des tournées mondiales et se produit dans de prestigieuses salles de spectacle, dont l'Olympia à Paris. Il collabore également avec des artistes renommés tels que Bill Evans, Stevie Wonder et Lauryn Hill, entre autres, tout en mettant la touche finale à l'enregistrement du DVD Bona Mac You Sweat. En juin 2016, Ninja sort « Héritage », son septième album, et se produit au festival Django Reinhardt à Fontainebleau. En 2017, il contribue à l'album « Bon Déco ». Après une pause due à la pandémie de Covid-19, il reprend les concerts en 2021. En plus de sa carrière musicale, le bassiste international, parfois très humoristique, s'investit activement dans l'éducation musicale et la promotion de la diversité culturelle. Son influence dépasse largement ses compétences d'instrumentiste, le positionnant comme une figure influente dans le monde de la musique. Il reste vigilant face aux enjeux sociaux et politiques, exprimant son engagement à travers des gestes symboliques tels que celui de déchirer son passeport camerounais en 2022 pour dénoncer les injustices du régime en place. Au cours de son parcours professionnel, Richard Bonnat a été honoré de nombreuses récompenses et distinctions en reconnaissance de sa contribution majeure à la musique, telles que le Grammy Award en 2002,
le titre de meilleur artiste international de l'année 2003 et le Grand Prix du Jazz en 2012, entre autres. Elles vont nos vaillants artistes. Merci Ninja.